Vous aimeriez mettre des gifles venimeuses dans la tête d'un solan? Votre animal spirituel est donc l'ornithorynque. Mot spécial, bourré. Je ne vais pas m'étaler sur son cas car tout son corps est un bourbier dont on parlera une autre fois. Et là on va étudier ses pattes capables de supprimer la vie à tout individu qui se prendrait des violentes tartes, doigts écartés dans la tronche par cet animal qui n'a pas le temps avec les casse-bonbons dans la vie de tous les jours. Déjà, ses pattes semblent avoir été cousues par un mec bourré qu'elles ne sont pas alignées, ni même coordonnées. Si vous les retiriez, vous pourriez jurer qu'elles proviennent de 4 animaux différents à la Frankenstein. Regardez-moi ces pattes cheloues, sérieux. À partir de la racine du pied, s'étend une toile ridée et coriace qui part en éventail. Au bout des pattes, des griffes séparées entre elles par des plis bifurqués et des toiles sans réelle texture. Rien n'a du sens. Encore moins le fait d'avoir du venin dans les pattes. Dans la bouche, ok. Après tu mords salement l'ennemi et paf, t'es tranquille. Mais les pattes, ça joue à chat cimetière. Je te touche, tu crèves. T'es mal lui, sérieux. Félicitations aux gagnants de la vidéo précédente et à demain.